d'accueillir ici des mathématiciens. Nous avons noué avec les mathématiques françaises, dont chacun connaît, même s'il n'y comprend goutte, comme c'est mon cas, l'incroyable prestige autour de la planète. Nous sommes très heureux de nouer avec les mathématiciens, d'entretenir des liens proches. Vous savez que notre département des sciences, en particulier, est très désireux d'accueillir vos curiosités, vos labeurs, et vous êtes absolument ouverts. Vous savez aussi que chaque fois que nous voyons ici, cher Martin, je vais te passer la parole, nous connaissons depuis très longtemps, ce qui crée évidemment une intimité qui n'est pas vraiment intellectuelle, du bon fait, mais qui est très affective. Je voulais simplement vous dire que cette série nous est très importante et que nous y attachons un grand prix. Les fondements de la mathématique de la turbulence, je me suis dit, en voyant ce titre, que nous connaissions un peu la turbulence dans cette maison. Ses fondements, parfois, fondements mathématiques, jamais. C'est pourquoi je me hâte de me taire. Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci à la BNF de nous accueillir pour ce cycle de conférences. C'est la dixième, en fait, la troisième année, la dixième conférence. Il va être question d'un mathématicien dont vous voyez la photo ici, Jean Leray. Un mathématicien qui est mort en 1998. Très très grand mathématicien, quelqu'un de très profond. Et ça, c'est une qualité des mathématiciens, des grands mathématiciens, c'est quand ils s'intéressent à un problème, c'est d'arriver à les attaquer en quelque sorte en profondeur. Et Leray était un mathématicien très profond, ce qui se faisait parfois un peu aux dépens de la clarté. Par exemple, je suis sûr que Leray aurait détesté faire une conférence de ce type-ci à un grand public. Quand il faisait ses conférences au Collège de France et qu'il constatait que son auditoire passait au-dessus de 10 personnes, il était un peu inquiet en se disant que peut-être le niveau de ses conférences baissait. Alors le conférencier aujourd'hui, Jean-Yves Chemin, est un mathématicien très éminent qui, ne la ramène pas, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un de très très fort. Et une des choses qui caractérise les gens qui sont très forts, c'est leur capacité d'admiration. Et une des raisons pour lesquelles j'ai demandé à Jean-Yves Chemin de faire cette conférence, c'est qu'il a écrit il y a quelques années un article sur Jean Leray, et en particulier sur l'article de Jean Leray dont il va parler, dans lequel il exprimait une très grande admiration pour cet article de 1934. Et je pense que dans sa conférence, il va pouvoir nous faire part et nous transmettre un peu de cette admiration. Merci. Merci beaucoup. Donc avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité à donner cette conférence ici. C'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur de faire cette conférence ici dans un cycle intitulé « Un texte, un mathématicien ». J'aime beaucoup cet intitulé parce que souvent les mathématiques sont perçues, parce qu'elles sont souvent enseignées comme ça, et pour des raisons d'efficacité, elles sont enseignées comme des choses très un peu froides, un peu comme si elles n'avaient pas été créées, mais elles existaient de tout temps, comme si elles n'étaient pas découvertes. Et en fait, les mathématiques, elles sont découvertes par des mathématiciens et des mathématiciennes, donc des gens qui vivent dans leur époque et qui sont parfois pris, comme on va le voir avec Jean Leray, dans leur époque et dans les événements très tragiques de leur époque. Et donc, c'est une des choses que je voudrais essayer de vous faire passer. Donc d'abord, cet exposé, je vais essayer de vous parler, d'évoquer la personnalité de Jean Leray, essentiellement à travers des citations d'une très longue interview qu'il a donnée et qui a été publiée dans un très beau recueil de 28 interviews de grands scientifiques français, de très très grands scientifiques français. Et donc il a donné une très longue interview et les citations que je vais donner sont pour l'essentiel extraites de cette longue interview. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer que si des mathématiciens sont géniaux, et je crois qu'on peut oser le terme pour Jean Leray, néanmoins, ils s'inscrivent dans un certain courant de pensée. Donc j'essaierai de vous brièvement de vous montrer dans quel courant de pensée mathématique le travail dont je vais parler après se situe, dans le grand mouvement du début du XXe siècle. Et ensuite, j'essaierai de vous expliquer
pourquoi cet article, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc, je vais commencer par la naissance. Jean Leray est né à Nantes en 1906 d'un couple d'instituteurs. Et il précise lui-même l'année où Dreyfus fut réhabilité. Donc en fait, c'est un fils de couple d'instituteurs et à travers, quand on lit ses interviews, ses textes, on s'aperçoit qu'il a gardé quelque chose, je dirais, de l'esprit des hussards de la République. Et de son enfance, il dit « où la guerre de 14-18 et ses suites rendirent ma jeunesse très austère. Je n'entendis pas de musique avant l'âge de 14 ans. » Donc on verra toujours dans les citations de Leray, c'est extrêmement dense et chaque mot a une signification très forte. Il y a beaucoup de choses derrière chaque mot. Ensuite, il fait ses études au lycée de Nantes, puis au lycée de Rennes. Et voilà comment il est décrit. Il dit « Je fus un élève attentif et travailleur, au milieu d'enfants assurés d'un avenir confortable et plus ou moins indifférent à un enseignement qui était pourtant de haute qualité. De modestes succès au concours général me prouvèrent que je pouvais accéder aux grandes écoles et grâce au lycée de Rennes, j'entrais rapidement à l'école normale supérieure. » Bien. Alors ensuite, que dit-il de son enseignement et de sa formation à l'école normale supérieure? Alors c'est extrêmement intéressant ce qu'il dit. Donc il rentre à l'école normale supérieure en 1926 et au CNRS en 1933. Et alors ce qu'il dit, la première chose dont il parle, c'est de l'expérimentation, de la physique expérimentale et de ses joies. Et ensuite, il parle de l'enseignement de son regretté maître, Henri Villa. Il parle à la fin des années 80. Et Henri Villa était un mécanicien. Et ça peut paraître extrêmement étrange que un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, quand on lui demande de parler de sa formation, de quoi parle-t-il? Il parle de la physique expérimentale et il parle de mécanique. Et je crois que c'est un trait qu'on trouvera dans la suite de cet exposé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des contributions absolument fondamentales dans les domaines les plus abstraits et disons ce qu'on appelle classiquement les plus purs des mathématiques, mais également quelqu'un qui ne méprisait pas les applications, bien au contraire. Alors ensuite, il passe son doctorat et sciences en 1933 et, entre autres choses, dans son doctorat, il y a le texte sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace qui est publié à Acta Mathematica en 1934 et qui va être l'objet d'une bonne partie de cette conférence. Je vais vous expliquer, essayer de vous expliquer pourquoi cet article est vraiment un chef-d'œuvre. Alors ensuite, il est nommé professeur à l'université de Nancy en 1938, donc il enseigne à l'université de Nancy en 1938 et 1939. Et alors là, il se produit un événement qui, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale, va révéler une personnalité absolument exceptionnelle. Donc le patriote qu'était Jean Leray, d'abord, a des mots très durs sur l'état d'impréparation de l'armée française, où il sert dans une batterie anti-aérienne, de défense anti-aérienne, et il est fait prisonnier en 1940. Et en 1940, ce qu'il fait, il organise une université de captivité. Et voici la magnifique description qu'il en fait. Il dit, elle avait un gros effectif, nous étions 5000 prisonniers, dont beaucoup de jeunes, quelques élèves de l'école polytechnique. L'enseignement était d'un niveau élevé. Les étudiants n'avaient aucune autre distraction que l'étude. Ils ne mangeaient pas beaucoup, ils n'avaient pas bien chaud, mais ils étaient courageux. Les examens furent validés par l'Université de Paris. Bien, après, d'autre part, toujours son patriotisme très fort lui faisait redouter d'être enrôlé de force dans l'effort de guerre nazi, puisque c'était un mécanicien des fluides éminent. Mais il n'avait pas fait que de la mécanique des fluides. Avant, il avait aussi fait, en collaboration avec un mathématicien polonais, Julius Schauder, qui est mort dans les camps nazis en 1942, des théorèmes de topologie très profonds que les mathématiciens, il y a un théorème très célèbre de Leray-Schauder. Et donc, il a,
Il pouvait recevoir quelques textes mathématiques dans son camp de prisonniers. Il a décidé de travailler dans la topologie et en topologie algébrique pour, justement, pouvoir dire qu'il n'était plus du tout mécanicien. Et alors, il a fait des travaux absolument fondamentaux en topologie algébrique. Des travaux fondateurs en topologie algébrique, la théorie des faisceaux et la théorie de la suite spectrale. Donc ça, je ne suis pas du tout capable de vous expliquer ce que c'est, ni d'ailleurs à personne, ce qu'est la théorie de la suite spectrale. Et il en dit, on voit ses jugements parfois modestes, et là on sent, quand il dit « j'ai eu des idées assez originales pour qu'elles aient vraiment contribué au renouvellement de la topologie algébrique », on sent évidemment une immense fierté de ça. Et alors, je citerai à propos de ses travaux, simplement, cette phrase d'un autre immense mathématicien français, Jean-Pierre Serre. Il dit Armand Borel, qui a fait toute sa carrière comme professeur à Princeton, a réussi à comprendre la mystérieuse théorie de Leray, suite spectrale intruse, il me l'a expliqué. Un certain dimanche de juin 1950, nous avons trouvé une application de cette théorie qui, sans être difficile, était d'un genre nouveau. Plus loin, Jean-Pierre Serre dit, mis en confiance par ce succès, j'ai entrepris d'explorer la théorie de Leray pour voir quelles autres applications on pouvait en tirer. Et Jean-Pierre Serre a eu la médaille Fields en 1954, médaille Fields qui est la plus haute distinction mathématique. Alors ensuite, Jean Leray, eh bien, de retour de captivité, est ensuite professeur au Collège de France en 1947, et donc continuer à faire des travaux tout à fait éminents, dont je ne vais pas parler, mais qui occupent l'ensemble de ses travaux occupe trois volumineux tomes, qui ont été édités par les éditions Springer et la Société mathématique de France après sa mort. Et donc, je vais terminer ce bref, aperçu de la personnalité et de l'œuvre de Jean Leray par quelques citations. Donc la citation que vous voyez, elle est en fait en rapport avec parmi les choses qu'a fait Jean Leray, il a fait une théorie des ponts plaques. Les ponts plaques, c'est les ponts qui sont en béton précontraint, y compris jusqu'aux applications numériques, en fait à la demande de l'un de ses fils qui était ingénieur des ponts et chaussées. Et donc, cette très jolie phrase, avoir assez de confiance en sa science pour prendre des responsabilités techniques, et puisse beaucoup de mathématiciens connaître un jour ces joies très saines, quelqu'un qu'il les croit. Donc, ce texte paraît comme une sorte de plaidoyer pour une science, je dirais, un peu au service de la technique. Là, en fait, la citation suivante va évidemment balancer cette vision. L'utilitarisme paralyserait l'aventure humaine, car l'homme tient moins à vivre qu'à être esthète et créateur. Donc on voit que ce n'est pas exactement une vision utilitariste de la science. Et en fait, j'allais dire, peut-être encore plus fort que ça, à la question dans cette interview, on lui demande, auquel j'ai déjà fait référence, on lui demande qu'est-ce que c'est que l'art pour vous. Et voilà ce qu'il répond. Donc on est très très loin d'une vision utilitariste de la science, et on est aussi très très loin d'une vision de la science coupée du monde et coupée, en tout cas une vision des mathématiques coupée du monde et des autres disciplines. Bien, et enfin, Jean Leray meurt le 11 novembre 1998 en Vendée. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, après ce très bref panorama de la vie et de l'œuvre de Jean Leray, c'est maintenant parler un petit peu des équations de la mécanique des fluides. Alors ces équations sont en fait de deux types. D'abord les équations de l'air. Donc les équations de l'air qui ont été établies par le mathématicien Euler, eh bien c'est tout simplement une description d'un fluide où on considère que il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de dissipation d'énergie, et qu'en fait l'énergie cinétique totale du fluide est conservée. Alors en fait, historiquement, ces équations sont établies avec des bilans de force, de manière, je dirais, avec des raisonnements très physiques sur des bilans de force, des petites variations, etc. Et il est à noter que très récemment, à la fin des années 60, donc récemment à l'échelle de temps auquel on travaille, en fait, un mathématicien russe, Vladimir Arnold, très célèbre, a
en fait démontré qu'on pouvait établir ces équations à partir du principe de moindre action de Maupertuis. Alors, ce n'est pas ces équations-là qui vont nous occuper, ce sont les équations de Navier-Stokes qui sont relatives à un fluide visqueux. Quel est évidemment le paradoxe des équations de la conservation de l'énergie cinétique? C'est qu'on sait bien qu'un fluide, l'eau par exemple, l'eau c'est visqueux. Si vous poussez une barque le long duquel un port, cette barque va s'arrêter assez vite, alors que si on croit aux équations de l'air, elle ne s'arrête pas. Donc il faut bien tenir compte de l'effet de viscosité. Et c'est un effet qui va dissiper l'énergie cinétique. C'est-à-dire dans un fluide visqueux, on va avoir en l'absence de force extérieure, on va avoir une décroissance de l'énergie cinétique. Cette décroissance de l'énergie va jouer un rôle, et cette dissipation va jouer un rôle très très important dans l'étude de ces équations. Alors, je voudrais présenter brièvement la mécanique des fluides au début du XXe siècle. Quel est un petit peu l'état de l'art? Alors, si on lit le petit livre, il y a un petit livre d'Henri Poincaré, qui s'appelle « Théorie des tourbillons », qui est relative à l'équation de l'air. Cette théorie est relative à l'équation de l'air. Et on a la surprise, quand on regarde ce livre, on a une immense surprise, c'est de voir un mathématicien de la trempe d'Henri Poincaré qui ne s'intéresse pas au problème de l'existence des solutions. Ça paraît extrêmement bizarre, mais ça a l'air d'aller de soi qu'il existe des solutions. Bon, on étudie des propriétés de solutions qui sont supposées exister. C'est très intéressant. Bon, techniquement, je vais me permettre de jargonner mathématiquement deux minutes, même pas deux minutes, il démontre essentiellement que le tourbillon est conservé comme deux formes en dimension 3. Bon, j'ai terminé de jargonner. Mais je voudrais insister sur ce fait que le problème de l'existence des solutions, ça n'est pas abordé. Et un des pionniers des théorèmes d'existence, c'est le mécanicien Ozine, qui démontre, on y reviendra parce qu'il est abondamment cité par Jean Le Ray, qui démontre l'existence à des temps petits de solutions de l'équation de Navier-Stokes. Donc, et sur l'équation de l'air, on a, en 1928, Liechtenstein démontre de l'existence à temps petit pour les solutions des équations d'évolution. Donc, pendant une petite période de temps, démontre des solutions, et Volibner démontre en 1933 un théorème qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il démontre que quand les mouvements sont plans, l'écoulement est défini est régulier pour tout temps. Alors, qu'est-ce qui explique ce démarrage des théorèmes d'existence? C'est le fantastique essor des mathématiques au début du XXe siècle. Je vais donner deux exemples. D'abord, on dispose d'une théorie de la mesure achevée, qui est la théorie de l'intégration de Lebesgue, dont je crois que Yves Meyer a parlé ici même il y a un certain temps. Donc il me fait signe que non. Ça a quand même un rapport. Bon. Tu me rassures. Et ça, on verra que ça joue un rôle très important dans l'article dont on parle. Il y a une théorie de l'intégration qui est achevée. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de la topologie générale et de l'analyse fonctionnelle. Pour résumer, qu'est-ce que cette théorie? C'est qu'on peut faire de la géométrie dans des espaces qu'on ne soupçonne pas. Jusqu'à présent, c'est assez simple de penser qu'on peut faire de la géométrie dans l'espace ambiant, c'est-à-dire dans l'espace de cette pièce. On fait de la géométrie. Et en fait, on a réalisé et rendu très opératoire le fait que finalement, beaucoup de raisonnements de géométrie qui étaient faits dans notre espace ambiant, en fait, pouvaient s'appliquer dans des espaces de fonctions, dans des espaces à une infinité de dimensions. Et ça, c'était source d'un progrès colossal. Les théorèmes de Liechtenstein, en fait, sont des théorèmes de points fixes dans des espaces de fonctions, essentiellement. Et c'est toute cette explosion conceptuelle qui a lancé ce mouvement. Et en fait, les travaux de Le Ray dont je vais parler s'inscrivent dans ce grand mouvement. Alors, il y a une espèce de programme de Jean Le Ray en mécanique des fluides. Et alors, il y a toujours ce côté qu'on retrouvait dans sa description de ses années de formation, ce côté observation. C'est-à-dire, finalement,
c'est pas absurde de regarder l'eau couler quand on fait de la mécanique des fluides. Et donc, vous avez une description de quelque chose que vous pouvez voir, d'ailleurs même pas très loin d'ici. La Seine coule, et ben ça fait de temps en temps, ça fait des tourbillons qui se résolvent, etc. Ça a l'air très compliqué, d'ailleurs c'est très compliqué. Mais vous avez une jolie description de du fluide qui coule. Et c'est très important pour Jean Leray. J'aurais probablement pas le temps de vous expliquer en quoi dans l'article il y a des choses qui sont analogues à ça. Mais dans son article, on trouve à certains moments, quand il parle des instants de singularité, quelque chose qui peut faire penser à cette citation. Et ensuite, il y a des questions mathématiques. Donc, il est essentiel de se poser les trois problèmes suivants. Donc, le premier, c'est, je ne parlerai pas beaucoup, mais c'est préciser l'allure des solutions de l'équation fonctionnelle pour savoir si cette allure concorde avec l'allure des phénomènes naturels. Bon, ça paraît assez, finalement, ça paraît assez raisonnable. Le deuxième point et le troisième point vont nous emmener assez loin. Prouver que l'équation fonctionnelle possède au moins une solution. En clair, vous avez un modèle de l'eau qui coule. Et bien, si vous n'êtes pas capable de démontrer que l'eau coule, c'est mauvais signe pour le modèle. Ou pour vous. Mais il faut quand même arriver à quelque chose. Donc il faut démontrer qu'il y a au moins une solution. Et ensuite, il faut prouver éventuellement que cette solution est unique. Donc, qu'est-ce qu'il y a en jeu derrière l'unicité de la solution? Eh bien, il y a tout simplement l'enjeu du déterminisme. C'est-à-dire que, on va le voir, ces équations d'évolution, il y a une loi d'évolution en temps. Vous connaissez l'état à un instant initial. Est-ce que la connaissance de l'état à un instant initial vous permet de connaître l'état dans tous les instants futurs de manière sûre? C'est ça le problème de l'unicité. Et c'est une vraie question. Et pour le problème qu'on va voir, cette question est toujours ouverte. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer le premier paragraphe de l'article sur le mouvement d'un liquide visqueux emplissant l'espace. On va regarder ce premier paragraphe. Donc ça commence en expliquant d'où vient la théorie de la viscosité, sont régies par les équations de Navier. Il est nécessaire de justifier a posteriori cette hypothèse en établissant le théorème d'existence suivant. Il existe une solution des équations de Navier qui correspond à un état de vitesse donné arbitrairement à l'instant initial. Alors là, il y a un petit point de terminologie. Jean Leray ne disait jamais l'équation de Navier-Stokes, mais toujours l'équation de Navier. Alors, quand je cite Jean Leray, j'emploie la terminologie Navier, mais sinon, je fais comme tous mes contemporains et tous les autres mathématiciens, j'appelle cette équation l'équation de Navier-Stokes. Mais c'est la même, l'équation de Navier, quand Jean Leray dit Navier, c'est en fait l'équation de Navier-Stokes pour le reste de l'humanité. Donc ça, c'est le point 2 du programme que je vous ai exposé, trouver une solution. Bien, c'est ce qu'a cherché à démontrer M. Ozin. Et il n'a réussi qu'à démontrer que, à établir l'existence d'une telle solution que pour une durée peut-être très brève succédant à l'instant initial. C'est ce qu'on appelle, dans une certaine dégradation linguistique, des théorèmes à temps petit. Bien, donc c'est le théorème dont je vous parlais précédemment dans ce mouvement de résolution de ces équations. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on utilise la physique du problème. La physique du problème, c'est la conservation d'énergie. Donc on peut vérifier en outre que l'énergie cinétique totale du liquide reste bornée, mais il ne semble pas possible de déduire de ce fait que le mouvement lui-même reste régulier. Bon. Alors on va voir que ça, c'est très très embêtant. Et alors, une phrase qui est tout à fait... La dernière phrase est extraordinaire. J'ai même indiqué une raison qui me fait croire à l'existence de mouvements devenant irréguliers au bout d'un temps fini. Je n'ai malheureusement pas réussi à forger un exemple d'une telle singularité. Bon, alors ça, on va, à la fin de l'exposé, on va reparler de cette phrase. C'est une phrase, et on va même en reparler, parce que c'est une phrase extrêmement importante, parce que on est confronté au problème suivant, c'est de dire, et on va voir, on va voir l'équation, on va voir où est le problème crucial, c'est que Jean Leray est absolument persuadé que le mouvement doit développer des singularités. Bien, et alors maintenant, on va comprendre pourquoi c'est très grave, parce que je vais
vous montrer l'équation de Navier-Stokes. L'équation de Navier-Stokes, il y a des dérivés partout. Bah, c'est très, on va détailler tout ça après, mais il y a des dérivés partout. Donc c'est très embêtant parce que une fonction devient singulière, ça veut dire qu'il n'y a plus de dérivés. Donc ça veut dire que l'équation n'a plus de sens. Et donc on ne peut pas, il y a un obstacle majeur à la réalisation du programme, d'avoir une solution qui va exister pour tout temps, puisque on est convaincu qu'au bout d'un temps fini, l'équation n'a plus de sens. Et c'est en fait cette difficulté que va résoudre Jean Le Ray. Alors, qu'est-ce que c'est que cette équation? Alors, d'abord, nu, il y a un nombre nu ici. Le nombre nu, c'est la viscosité du fluide, c'est un nombre strictement positif. V, le vecteur V, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une vitesse, c'est-à-dire que c'est un vecteur qui a trois composants, puisqu'on est dans l'espace, V1, V2, V3, et qui, chaque composant, dépend de l'instant où on regarde, de l'instant où l'on est, et de la position où on est dans l'espace. Donc c'est chaque composante est une fonction du temps et de la position. Ensuite, qu'est-ce que c'est que V gradient? Eh bien, c'est tout simplement cet opérateur-là, c'est-à-dire que à chaque fois quand vous regardez vous faites toutes les variations, vous regardez les variations par rapport à la première coordonnée, vous multipliez par la première coordonnée de V, même chose pour les deux autres coordonnées. On reviendra sur la finification de ce terme dt plus V gradient tout à l'heure. Ensuite, le gradient de la pression, c'est tout simplement le vecteur dont P, c'est la pression. C'est le vecteur dont les premières composantes est la variation par rapport à la première coordonnée, deuxième composante, variation par rapport à la deuxième coordonnée, même chose pour la troisième. Le laplacien, c'est un opérateur de dérivée d'ordre 2, et en fait, pour ceux d'entre vous qui sont effrayés par cet opérateur, pensez en fait que ça, c'est un terme de frottement, tout simplement. C'est quelque chose qui frotte, si vous êtes effrayé par les dérivés. Mais c'est quelque chose qui nécessite a priori d'avoir un sens, qui nécessite d'avoir un sens, c'est-à-dire que V soit ses composantes, soit des fonctions régulières. Et enfin, la divergence de V, c'est cette quantité-là. Alors en fait, d'où sortent les équations 1 et 2? L'équation 1, c'est en fait un bilan de force. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que représente ce terme dtv plus V gradient V? Mais en fait, c'est la variation du champ de vitesse quand vous vous déplacez le long d'une trajectoire de ce champ lui-même. Et les équations de Navier-Stokes vous disent que cette variation-là est égale aux forces de frottement et au gradient de la pression. Bon. L'équation 2, divergence de V égale 0, c'est simplement une façon de traduire le fait que le fluide est incompressible. Ça résulte d'un calcul que je ne vais évidemment pas faire, sur le flot de V, c'est-à-dire la façon dont le champ de vecteur transforme le fluide se transforme, et ça dit simplement que si vous partez d'une boîte de fluide à un instant donné, vous avez une boîte de fluide, quand vous laissez évoluer, cette boîte va se déformer, s'étaler, s'enfoncer de partout, prendre une forme très compliquée, mais que son volume va rester le même. Bien, alors cette équation, on va la garder, parce que on va avoir besoin de s'y référer de temps à autre. Bien, alors, je reviens sur la dernière phrase de... je reviens sur cette dernière phrase. Ici, il y a des dérivés partout. Et qu'est-ce que nous explique Jean Le Ray? Il nous explique qu'en fait, il est convaincu qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus de dérivés. Donc, il n'y a plus d'équations. Et pourtant, on veut des solutions globales. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement faire une révolution. Cette révolution va consister à changer le sens de être solution de l'équation. Simplement à changer le sens. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, on va apprendre d'abord, pour vous expliquer pourquoi ça devient infini, pourquoi il y a des singularités, je vais prendre un modèle très simplifié. Cette équation-là est beaucoup trop compliquée. On va prendre celle-là. Alors imaginez, U de T, c'est une quantité qui dépend du temps. Il n'y a plus de variable X, il n'y a plus de vecteur, il n'y a qu'un nombre et il n'y a que du temps. Donc on a simplifié, il n'y a plus de dérivée. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien le terme dtv, c'est devenu la variation de U. Le terme V gradient V, j'ai oublié les dérivés, il n'y a plus de dérivée. Qu'est-ce que c'est? C'est des produits de composantes. Là j'ai qu'une seule composante, j'ai remplacé ça par le carré. J'ai simplifié.
Et ensuite, je vous ai dit que ce terme-là, c'était un terme de frottement. Et bien là, j'ai mis un terme de frottement, A est positif. Voilà, j'ai simplifié l'équation. Bon. Et alors, je vais encore exagérer dans la simplification. C'est-à-dire que je vais dire le terme U2, je vais le négliger. Et après tout, si U2 est petit, eh ben U2 est petit devant le carré, est petit devant le nombre lui-même, donc j'oublie U2. Et alors, qu'est-ce que c'est que la solution du problème? Ben, c'est tout simplement U de t égale U0 exponentielle moins AT. Autrement dit, c'est un truc paisible, qui se tient tranquille, et qui tend vers 0 à l'infini, paisiblement. Bien. Donc, voilà. Maintenant, si on suppose que c'est A qui est égal à 0, il n'y a plus de frottement, qu'est-ce qu'on a? On trouve comme équation, c'est que la variation de U est égale au carré de U. C'est-à-dire, plus il est grand, plus ça croît, et puis ça croît comme le carré. Bon, bah ça, la solution, c'est explicite, c'est U de T égale U0 sur 1 moins T U0. Et ça, ça n'est défini que sur l'intervalle 0, U0 moins 1. Donc, il y a une singularité, il y a quelque chose qui explose. D'accord? Il y a une singularité. Bien. Et alors, ça donne effectivement, hein, il suffit de faire travailler ma Poel et vous trouvez ça. Bon, il y a quelque chose qui explose, quoi. Bon. Et donc, il n'y a plus de solution de l'équation. Bien. Alors, en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une lutte. On peut voir ce problème-là, et là, c'est clair, sur le modèle simplifié, c'est une lutte, bon, qui est assez simple dans ce cas-là, mais qui est assez féroce dans le cas de l'équation de Navier-Stokes, entre l'amortissement et l'amplification. Alors, ce qui se passe, c'est que, eh ben, quand la donnée initiale est strictement inférieure à A, c'est-à-dire quand vous partez de quelque chose de suffisamment petit, c'est l'amortissement qui gagne. Bon, là, c'est facile, ça se démontre. On va faire une petite démonstration. Eh ben, du coup, j'ai écrit l'équation comme ça. D'accord? Et tant que U reste inférieur à A, la fonction U décroît. Donc, elle reste tout le temps inférieure à A. D'accord? Et donc, on peut écrire l'équation comme ça. Elle reste tout le temps inférieure à U0. Donc, on peut écrire une inégalité dtu, du sur dt qui est plus petit que moins a moins u0 u. Et du coup, ça, on a déjà vu, c'est la solution. Ça donne l'exponentielle. Donc, cette solution, on trouve que u de t est plus petit que l'exponentielle. Donc, a un comportement qui s'écrase à l'infini. Donc, quand on part suffisamment petit, c'est l'amortissement qui gagne. Bon. Maintenant, quand on part suffisamment grand, c'est-à-dire plus grand que A, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, par un petit raisonnement à peu près analogue à ce que je viens de faire, vous pouvez démontrer que U de T est plus grand que ce que j'ai écrit là. Et donc que la solution, elle ne peut pas exister pour tous les temps positifs, puisqu'elle est minorée par quelque chose qui devient infini à un certain instant. Donc là, c'est l'amplification qui gagne, et vous avez une singularité. Bien. Et alors, dans cet article de Leray, première chose remarquable, et bien... Oui, alors j'avais simplement oublié une remarque, c'est que si U0 égale A ici, il ne se passe rien, on a la solution constante. Bon. Eh bien, pour l'équation de Navier-Stokes avec des petites données, il y a un théorème. Jean Leray démontre que si la solution, le champ initial V est suffisamment petit devant la viscosité nue, au sens que, qui est écrit, alors l'équation de Navier-Stokes admet une solution V qui est régulière, qui est définie pour tout temps, et cette solution est unique. Donc, dans le cas des petites données, c'est bon. C'est-à-dire que finalement, le modèle simplet qu'on a eu, que je viens de vous montrer, pour les petites données, il n'est pas si idiot. Puisque, pour les petites données, Jean Leray, il démontre la même chose. Il démontre qu'en fait, les petites données... Alors, la condition de petitesse, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de l'énergie cinétique totale par quelque chose qu'on peut comprendre comme l'énergie cinétique des variations. Le produit de ces deux quantités-là est plus petit que la viscosité au carré. C'est même une puissance 4, excusez-moi, vu que je n'ai pas mis de racine carrée. Peu importe. C'est petit devant la viscosité. Donc, s'il y a une condition de petitesse, si le champ de vitesse est suffisamment petit, eh ben, il ne se passe rien, comme dans mon modèle. Bon, je ne vous expliquerai pas la démonstration de ce théorème. Mais je tiens à signaler, c'est très important du point de vue des idées, c'est-à-dire que ce modèle de lutte entre l'amortissement et l'amplification, eh bien, si vous partez de petites données, c'est l'amortissement qui gagne. Vous avez des solutions globales régulières, et on peut même démontrer que ça tend vers zéro à l'infini. Enfin, on a un comportement qui ressemble pas mal au comportement de notre petit modèle simplet. Bien. Alors, maintenant, il faut oublier
Si on pense que notre modèle simplet il est bon, on doit avoir, un, des singularités. Donc il faut oublier le fait de dire qu'on peut parler de dérivée. Or pourtant, regardez, dans l'équation 2, il y a la condition divergence V égale 0. Or divergence, il y a des dérivées. Donc il faut définir ce que c'est qu'un champ, quand un champ n'est pas dérivable, quel est l'équivalent de dette de divergence nulle. Et donc, dans cet article de Jean Leray, apparaît le concept de quasi-divergence nulle. Donc on prend un champ de vitesse V qui est d'énergie cinétique finie, c'est-à-dire dont la moyenne du module au carré est finie. Et on dit qu'il est de quasi-divergence nulle si et seulement si, pour toute fonction régulière A, régulière et nulle en dehors d'une grande boîte, eh bien quand je fais la moyenne dans tout l'espace du produit scalaire de V avec le gradient de A, ça fait 0. Et ça, il n'y a pas de dérivée de V dans cette histoire. Pas de dérivée de V dans cette définition. Bon. Alors, on peut toujours écrire une définition. Simplement, on a dans l'idée de généraliser la notion de divergence nulle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier que si j'ai un brave champ de vecteurs qui a toute la régularité que je veux, s'il vérifie cette condition-là, il est de divergence nulle au sens classique. Bon. Ben, c'est vrai. Si on a un champ V régulier, eh ben, s'il est de quasi-divergence nulle, alors sa divergence est nulle. Et ça se démontre. Ça se démontre avec des intégrations par partie. Donc qu'est-ce que c'est que, par définition, qu'est-ce que c'est que la moyenne du produit scalaire de V avec le gradient de A? Eh ben, on a la définition du gradient d'une fonction qui est là. Eh ben, on décrit ce que c'est que la définition du produit scalaire, on trouve cette expression-là. Et qu'est-ce que c'est que l'intégration par partie? Je vous rappelle que j'ai supposé que A était nul en dehors d'une grande boîte. Eh bien, dans ce cas-là, je peux faire passer les dérivés à l'intérieur d'une intégrale, les dérivés passent de l'autre côté, en changeant de signe. Donc ça me donne ça. Et ça, vous reconnaissez ici l'expression de la dérivée. Donc vous trouvez tout simplement ceci. Et donc, bah, voilà, ça fait zéro. Bien. Donc j'ai bien généralisé la notion de champ de divergence nulle à un champ qui n'a pas de dérivée. Voilà. Donc ça, c'est un moment qui est extrêmement important parce que vous venez de généraliser un concept où, bah, classiquement, vous avez besoin de dérivée pour l'écrire, et là, vous n'avez plus besoin de dérivée. Vous n'avez plus besoin de régularité sur V pour parler du concept de divergence nulle. Voilà. Alors ça, c'est extrêmement important. Ça trouvera, ces idées trouveront leur achèvement en 1945 dans la théorie des distributions de Laurent Schwartz. Mais là, alors, ces idées-là étaient déjà, en fait, Jean Leray, dans son article, attribue ces méthodes, enfin, des méthodes analogues, à Ozine. Donc dans les articles, et effectivement, dans les articles de mécanique des fluides des années 1910, on voit des dérivés qui se promènent et qu'on a tendance à les mettre aux endroits où ça fait le moins mal. Hein? Mais évidemment, ce n'est pas du tout formalisé comme ça. Et surtout, il n'y a pas l'efficacité qu'on va voir, c'est-à-dire il n'y a pas de théorème, des théorèmes d'existence comme on va le voir. Alors maintenant, il faut trouver un concept de solution. Et donc, des solutions que Jean Leray appelle solutions turbulentes. Donc voilà ce que c'est qu'une solution turbulente, c'est un champ V d'énergie cinétique finie, de quasi-divergence nulle, pas besoin des dérivés, je sais ce que c'est maintenant, que de quasi-divergence nulle, pas besoin de régularité. C'est une solution turbulente de l'équation de Navier-Stokes, si et seulement si l'équation en bleu est satisfaite. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, vous dites, eh bien, en fait, je ne regarde plus du tout les valeurs des fonctions. Ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les moyennes pondérer des fonctions. C'est-à-dire, vous faites, ou des champs de vecteurs, vous prenez les champs de vecteurs, vous faites le produit scalaire avec un autre champ de vecteurs, vous faites la moyenne. Et quand vous faites ça pour tout, pour plein de champs de vecteurs réguliers, eh ben, vous connaissez la fonction aussi bien que par ses valeurs ponctuelles. Et ça, c'est une idée tout à fait révolutionnaire. C'est-à-dire que vous voulez une solution d'équation, ça ne veut pas dire qu'en chaque point, les fonctions, on a des valeurs ponctuelles, puisque dans cette équation-là, les valeurs ponctuelles n'existent pas. Les fonctions ne sont pas dérivables, il n'y a pas de valeurs ponctuelles. Donc il faut oublier ça. Il faut oublier ça.
Et là, c'est oublié. Là, il y a des dérivés que sur A. A, c'est régulier. D'accord. Bon. Évidemment, à nouveau, on peut toujours écrire une définition. Simplement, est-ce que bah, ça généralise bien la notion de solution? La réponse est oui, bien sûr. Donc une solution classique régulière, c'est une solution turbulente, en ce sens-là. Alors, la démonstration, c'est la même chose que ce que je vous ai fait pour la divergence, la quasi-divergence nulle. On fait des intégrations par partie, essentielles. Hein? C'est-à-dire, c'est cette idée que quand les fonctions sont régulières, vous pouvez passer les dérivées d'un côté ou de l'autre de l'intégrale. C'est lié simplement au fait que l'intégrale d'une dérivée entre deux bornes, c'est la différence des valeurs. Et comme là, on prend des fonctions qui sont nulles en dehors de grandes boîtes, eh bien, ça fait zéro. Alors maintenant, il y a un théorème, toujours dans cet article. Eh bien, on a réalisé le programme. Une fois qu'on a changé la notion de solution, eh bien, on démontre qu'il y a des solutions. Théorème, toujours dans le même article. Ben, vous prenez n'importe quel champ de vitesse initial d'énergie finie de quasi-divergence nulle, eh bien, il existe une solution turbulente pour tout temps. C'est-à-dire, en clair, l'eau, elle coule, quoi. D'accord. Mais elle coule longtemps, très longtemps. Alors, et d'autre part, ce qui est très important, c'est la conservation de l'énergie cinétique. Alors, si... Évidemment, vous pouvez me dire que là, j'exagère énormément, parce que je vous ai expliqué qu'on n'avait pas, on savait pas ce que c'était que les dérivées. Or là, je vous en ai écrite. Donc dans cet article, je ne peux pas vous parler de tout ce qu'il y a, mais il y a une notion qu'on appelle de quasi-dérivée. Et là, ce qui est démontré, c'est que les quasi-dérivées existent, et ce gradient-là n'est pas à comprendre au sens usuel, mais en un sens qui est aussi généralisé, et que je ne vais pas vous détailler. Mais ici, dans ce terme-là, il y a beaucoup de nouveautés aussi. Mais je ne vous en parlerai pas. Alors maintenant, comment on peut démontrer un théorème pareil? Parce que quand même, vous regardez l'équation de départ, c'est ça. Donc on a une autre formulation de l'équation, où on a mis les dérivés de l'autre côté. Et maintenant, comment peut-on démontrer un théorème pareil? Eh bien, de la manière suivante, c'est de dire que, en fait, c'est un problème trop compliqué. C'est un problème compliqué. Eh bien, on va le transformer en un problème plus simple, qu'on va savoir résoudre globalement. Alors ça, je ne vais pas vous dire comment on fait ça. Il y a plusieurs méthodes. Des méthodes qu'on utilise maintenant ne sont pas exactement les méthodes originales de Jean Leray, mais n'empêche que l'esprit est resté. Pour vous donner une idée de l'actualité de ce type de méthode, donc en 1994, Pierre-Louis Lyons a démontré un théorème du même genre pour les fluides compressibles. Alors là, c'est les fluides compressibles. Ça, c'est une équation extrêmement simple. Les équations des fluides compressibles, c'est absolument affreux parce qu'il y a de la densité. En plus, la densité peut s'annuler, des phénomènes de cavitation. C'est l'horreur. Bon. Et il a démontré un théorème analogue. Hein. Et alors, eh ben, il a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il a approximé le problème par un problème plus simple qu'on peut résoudre sans trop de dégâts. Alors, ça peut être difficile de trouver un problème plus simple qu'on va savoir résoudre. Et ce qui est important, on va voir, c'est que ce problème plus simple est les mêmes conservations, les mêmes propriétés, c'est-à-dire ici la conservation de l'énergie, que le système d'origine. Évidemment, si vous prenez un système plus simple, mais que vous avez perdu tout ce qui faisait le sel du modèle d'origine, vous n'avez pas fait grand-chose. Et donc, qu'est-ce qui démontre en fait? Hein, on va savoir démontrer qu'il existe des solutions globales régulières de ce problème approximé, des Vn. Et ces Vn, en fait, je vais écrire l'équation comme ça. C'est-à-dire, vous voyez, c'est exactement la même équation, la même définition que les fonctions, que les solutions turbulentes. Et je me permets d'ajouter ici un terme d'erreur. Et ce terme d'erreur, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va devenir de plus en plus petit à mesure que n, l'entier n devient grand. Vous avez une suite de problèmes approximés qui dépendent d'un entier n, et ce problème, quand n devient grand, il ressemble de plus en plus au problème d'origine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut passer à la limite. Il faut passer à la limite dans ce problème. Bien. Et ce problème vérifie, point capital, il vérifie aussi l'estimation d'énergie.
En plus, on peut se débrouiller pour que ces solutions VN soient régulières, il n'y a pas de problème, mais ça vérifie l'estimation d'énergie. Bien. Donc là, le problème, c'est le problème du passage à la limite, évidemment, qui est crucial. Alors, pour passer à la limite, eh bien, en fait, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui dit grâce à l'estimation d'énergie. En fait, on peut démontrer que c'est pas tout à fait la suite VN, mais c'est une suite VN construite à partir de la suite initiale, mais on peut oublier ce détail. On peut trouver un champ d'énergie cinétique fini V qui va vérifier la propriété suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez un champ de vecteur A régulier, vous prenez le produit scalaire, vous faites la moyenne, ça converge vers la moyenne de V. C'est ce que Jean Leray appelle la convergence faible en moyenne. Donc ça, c'était des idées qui étaient apparues en analyse fonctionnelle, essentiellement à travers les travaux de Suédois, comme Ries, par exemple. Donc c'était des travaux de fin 19e, début 20e siècle, où vraiment, on avait une très bonne compréhension de ça. Bon, ça, c'est, disons, c'est pas très facile à démontrer, ça suppose, à l'époque, c'était des choses relativement nouvelles. Et donc, pour démontrer le théorème, pourquoi il suffit de démontrer ce que j'ai écrit ici? Eh bien, tout simplement parce que si on revient un petit peu en arrière, regardez, les termes ici, eh bien, le terme, celui-là, ce terme-là, associé à A, Vn scalaire ça, ce terme-là, en fait, c'est une moyenne. C'est pas la moyenne de A, mais c'est la moyenne de la variation de A en temps. Donc c'est pareil, ça converge. Oublions l'intégrale en temps. Ici, même chose, le laplacien de A, c'est une fonction régulière. Donc ce bout-là converge. Donc en fait, le seul terme qui pose problème, c'est celui-ci. Et pourquoi pose-t-il problème? Eh bien, il pose problème parce qu'il est non linéaire en V. C'est-à-dire, il y a des produits de V. D'accord. Et ça, là, il y a une vraie difficulté. Et je vais vous montrer la difficulté sur un exemple assez simple. Eh bien, on va oublier les vecteurs, on va juste prendre les fonctions, et on va prendre la suite de fonctions cosinus nx. Et on va regarder les limites, les moyennes pondérées entre 0 et 1 de cosinus nx. Bon, ça c'est un petit exercice intéressant. On fait une intégration par partie, que vous voyez là. Et qu'est-ce que vous voyez surgir quand vous faites l'intégration par partie? Vous voyez du 1 sur n. 1 sur n, quand n devient grand, ça tend vers 0, ce truc-là. Donc, cette moyenne tend vers 0. Bon, ça, c'est un phénomène simple, mais qu'on peut illustrer comme ça. À quoi ça ressemble? Ça, j'ai dessiné ici la fonction a, c'est x à moins x, entre 0 et 1. Eh bien, vous voyez que quand vous oscillez très vite, vous faites la moyenne, en gros, ce qu'il y a au-dessus, la courbe oscillante, la partie au-dessus compense essentiellement la partie en dessous. Donc quand ça va très vite, tout ça finit par s'annuler. C'est l'idée que quand on fait la moyenne d'un phénomène très oscillant, ça fait quasiment zéro. D'accord. Bon. Bon, mais alors maintenant, on va regarder quand on met le cosinus au carré, qu'est-ce qui se passe? Quand il se passe, il y a une formule de trigonométrie bien connue, qui nous dit que, en fait, le cosinus au carré, c'est la moitié de 1 plus le cosinus de 2 fois l'angle. Et puis, du coup, la limite, qu'est-ce que c'est? Il y a un morceau, le morceau qui est là, qu'on mette x ou 2x, c'est pareil. Donc ça tend vers 0, et donc ça tend vers 1,5 fois l'intégrale de A. Donc ça ne tend pas vers 0. Ça se voit d'ailleurs sur le dessin qui suit. On voit bien la surface qui est au-dessus, ça ne tend pas vers 0, Elle est tout le temps positive, ça ne tend pas vers 0. Bon. En clair, quand on est... je reviens à ça. En clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on apprend que pour les fonctions, pour les suites, tout ça, le produit des limites, la limite du produit, c'est le produit des limites. Pour cette convergence faible en moyenne, ce que je viens simplement de vous expliquer, c'est que ce n'est pas vrai. Puisqu'ici, on a quelque chose qui tend vers 0, et donc le carré tend pas vers 0, tend vers 1,5. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. Parce qu'évidemment, on avait envie, dans notre formulation initiale, de dire, ça passe à la limite, ça passe à la limite. Non. Bon. Bon, c'est une assez mauvaise nouvelle. Et en fait, heureusement, on est sauvé par l'estimation d'énergie. Parce que vous voyez, dans l'estimation d'énergie, il y a des dérivés ici. Et vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné ici, quand vous dérivez,
qu'est-ce qui sort? Vous voyez sortir N. Donc typiquement, vous avez une estimation comme ça, va vous empêcher des exemples de ce type-là. Donc c'est grâce à ces estimations-là que Jean Le Ray peut démontrer son théorème de passage à la limite et son théorème d'existence. Voilà. Bon, techniquement, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais j'ai essayé de vous extraire quelques idées des difficultés qu'on rencontre et de la façon dont elles sont résolues. Ce qui est crucial, c'est cette estimation d'énergie-là. C'est ça qui est crucial. C'est ça qui vous évite tous les ennuis. Bon, il y a de la technique mathématique sophistiquée. Et un point qui maintenant fait sourire, mais qui montre qu'à l'époque, la théorie d'intégrale de Lebesgue n'était pas si connue que ça, c'est que dans le texte de Jean Le Ray, à un moment, il y a une petite note en bas de page, et quand on, il y a un petit 1, et quand on lit cette note en bas de page, on lit « Cette propriété utilise la théorie de l'intégration de M. Lebesgue ». Évidemment, maintenant, tout mathématicien professionnel se couvrirait de ridicule en écrivant cette phrase, mais simplement, eh ben, à l'époque, c'était pas si cette théorie avait 25 ans, eh bien, on éprouvait le besoin de préciser quand on s'en servait. Bien. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, pour avant de conclure cette conférence, c'est vous donner qu'est-ce qui s'est passé depuis. C'est-à-dire, est-ce que les mathématiciens ont travaillé? Alors, oui, les mathématiciens ont travaillé. Alors, je vais faire un exercice qui est, j'espère que personne ne m'en voudra, je ne vais pas citer tous les gens qui ont brillamment contribué, je vais simplement citer des étapes qui, à moi, me paraissent importantes. Donc là, il y a une partie de choix personnel. Eh bien, d'abord, quelque chose d'important, dans le cadre des données petites. Donc, vous avez vu, je vous ai écrit une condition de petitesse. Et je dirais qu'au fil du temps, l'imagination des mathématiciens s'est laissée aller. Les données sont en fait de moins en moins petites. Alors, il y a un théorème de Fujita et Kato, en 1964, où en fait, on invente un espace qui est une condition qui est plus faible que celle que je vous ai donnée, de petitesse, qui est plus faible. Ça a joué un rôle très important parce que c'était un espace qui... Je n'ai pas voulu vous parler de ça, mais... il y avait un seul espace, il n'y avait pas ici, il y avait l'énergie cinétique des variations. Et en fait, il y a un espace qu'on appelle l'espace de Sobolev, H1,5. C'est-à-dire, en gros, au lieu d'avoir l'énergie cinétique et les variations de l'énergie cinétique, on était capable, postérieurement à Jean Le Ray, en gros, de définir ce que c'était qu'une demi-variation, c'est-à-dire qu'une demi-dérivée. Et en gros, on vous dit qu'une demi-dérivée est d'énergie cinétique finie, mais je ne veux pas rentrer dans ces technicités mathématiques. Ensuite, il y a un théorème de Kato. Alors, les échelles de temps sont importantes. Il s'écoule quand même 30 ans hein, entre 1934 et 1964. Ensuite, un théorème de Kato où la condition de petitesse que je vous ai écrite est remplacée par une condition de petitesse des moyennes du cube du module. Vous faites la moyenne du cube des modules, si c'est... qui dans le jargon des mathématiciens s'appelle la norme L3. Et quand vous faites ça, quand ça est petit devant la viscosité, eh bien, vous avez aussi une solution globale. Je vous ferai remarquer qu'ici, vous dites que la moyenne des cubes est petite, il n'y a pas du tout de régularité, il n'y a pas de concept de régularité, donc c'est un progrès par rapport au résultat de petitesse précédent, c'est un progrès important. Il n'y a pas de notion de dérivée. Alors ensuite, il y a un théorème qui a été démontré en 1993 par Marco Cannon, Yves Meyer et Fabrice Planchon. Alors ça, c'est un théorème que je trouve très important, parce qu'il y a l'idée suivante, c'est-à-dire que là, les données, si on les mesure, par exemple, en moyenne des cubes, elles sont très très grandes. Mais elles sont très oscillantes. C'est-à-dire, il y a cette idée qui apparaît, qui est une idée, on a l'impression que un problème d'évolution comme ça, ça doit être régulier. C'est la régularité qui est en jeu. Et en fait, ce que ces mathématiciens ont montré, c'est qu'en fait, plus ça oscillait, c'est-à-dire plus c'était chahuté, plus ça aidait à ce que ça reste régulier tout le temps. Bon, alors ça, c'était quelque chose que les gens n'avaient pas vu. Alors techniquement, c'est une petitesse quand même, c'est une petitesse dans des espaces qu'on appelle les espaces de Besov, peu importe ce que c'est. Mais c'est quand même une condition de petitesse, c'est pour ça que ça reste dans le cadre des données petites. Et ensuite, il y a un théorème qui est un théorème un peu final, c'est-à-dire que
Pour diverses raisons, on est convaincu qu'on ne peut pas faire mieux que le théorème de Cohn-Rétataru. Ils sont arrivés à un espace un peu optimal et je crois qu'actuellement les gens n'ont pas beaucoup d'espoir d'améliorer ce théorème. Donc on est dans le cadre des données petites, on est arrivé un petit peu au bout de la course, je dirais. Alors ensuite, je vais citer des résultats qui ont trait à l'apparition de singularités. Et alors là, on va reparler de cette première phrase, de cette dernière phrase de l'introduction de Jean Leray que je vous recite à propos d'un travail de Nechas, Kouchika et Svérac. Donc je vous rappelle cette phrase de Jean Leray. J'ai même indiqué une raison qui me fait croire que à l'existence de mouvements devenant irréguliers au bout d'un temps fini, je n'ai malheureusement pas réussi à forger un exemple d'une telle singularité. Donc en fait, dans l'article de Leray, c'est tout à fait explicite, il y a une forme de solution explicite, il écrit, il dit voilà, je crois qu'il existe un certain type de solution qui effectivement développe des singularités. Et qu'est-ce qu'on fait Nechas, Kouchika et Svérac? Ils ont démontré qu'il ne pouvait pas y avoir de solution de cette forme. Et alors là, donc d'abord, ça veut dire simplement que les plus grands génies peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, mais peut-être c'est le propre des génies, c'est que leur erreur est incroyablement féconde. Parce que pourquoi les solutions turbulentes ont été inventées? Et quand on lit l'article de Leray, c'est absolument transparent. On a l'impression qu'il a absolument besoin de croire à ça pour oser écrire, poser les définitions de la quasi-divergence nulle, des solutions turbulentes, des quasi-dérivées, etc. Sinon, il n'aurait jamais osé écrire une chose pareille. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'est de la mécanique classique. Les solutions turbulentes, elles ne sont pas bornées. Donc, vous pouvez dire, c'est absurde. Une vitesse en mécanique classique, c'est borné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de vitesse infinie, ça n'a pas de sens en mécanique des fluides. Donc, on pouvait attaquer tout à fait ceci. C'était très attaquable du point de vue de la mécanique. Je vous rappelle que Leray avait une formation aussi très importante de mécanicien. Et donc, il avait absolument besoin de croire à ça. Et je crois que c'est un exemple de, j'ose pas être d'erreur, c'est pas ça, mais disons d'intuition qui s'est révélée quand même 60 ans après fausse et qui a été d'une extraordinaire fécondité. L'article a été publié dans la même revue d'ailleurs que l'article de 1934, Acta Mathematica. Ensuite, un très bel article aussi de Escoriaza, Zeregin et Svérac en 2003, où en fait il démontre que la fameuse moyenne, quand vous faites la moyenne des cubes, des composantes du champ des composantes des champs de vecteurs, bien ce qu'il démontre, c'est que s'il y a une singularité, cette quantité doit devenir infinie. Ça, c'est un théorème qui est un très très beau théorème et que beaucoup de gens ont cherché. C'est un théorème magnifique. Et enfin, je voudrais terminer par un théorème de Isabelle Gallagher, Drago Chiftimi et Fabrice Planchon, qui est un théorème qui dit la chose suivante, qui dit en fait, quand vous prenez une donnée initiale et vous avez un écoulement qui existe pour tout temps, sans condition, comme ça. Vous supposez que vous avez une solution globale. Et bien à ce moment-là, nécessairement, dans n'importe quel espace de résolution, par exemple tous les espaces qui sont cités ici ou qui doivent être petits ici, eh bien à ce moment-là, vous pouvez bouger un petit peu, vous avez encore une solution globale. C'est-à-dire que toutes les solutions globales sont stables. Alors, en fait, il y a une différence, je dirais, de nature entre les résultats ici et les résultats ici. La différence, c'est que tous les résultats qui sont là, en fait, n'utilisent pas vraiment la forme de l'équation, mais sont vrais pour toute une classe d'équations, une classe beaucoup plus générale d'équations. Par contre, les trois résultats qui sont là ont une chose en commun, c'est qu'ils utilisent tout à fait la structure particulière de l'équation, c'est-à-dire l'allure spéciale de ces termes, des annulations, des choses qui font que ce terme n'est pas simplement, ne ressemble pas à u carré, mais est beaucoup plus compliqué que le u carré de notre modèle du début. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important. Hein, c'est le fait d'utiliser l'allure de l'équation, je pense, c'est une façon de faire des progrès dans l'étude de ce système. Alors, je voudrais terminer cette conférence par quelques remarques un petit peu personnelles sur la façon en fait dont j'ai découvert ce texte et la personnalité de Jean Leray.
Donc en fait, bien que mon âge m'autorise à avoir vu et même parlé à Jean Le Ray, en fait, je ne l'ai jamais vu. Parce que il, jusqu'à assez dans les années, la fin des années 80, ou même peut-être début des années 90, il fréquentait régulièrement le séminaire Jacques-Louis Lyons, qui était le séminaire, un séminaire au Collège de France, où en fait je n'allais pas parce que j'étais à l'époque étudiant et jeune chercheur, et en fait je fréquentais des séminaires du sud de Paris, c'est essentiellement à Orsay, à l'école polytechnique. Donc en fait je n'ai jamais vu Jean Le Ray. Et j'ai commencé à travailler sur l'équation de Navier-Stokes au début des années 90, et en fait je n'avais jamais lu cet article. Parce que, bon, et parfois aussi quand on est jeune, on pense que quand même toutes ces vieilleries sont dépassées et que finalement, souvent, les articles anciens sont difficiles à comprendre, que c'est écrit d'une façon incompréhensible et que, bon, on lit pas ça. Et en fait, après la mort de Jean Le Ray, comme l'a dit Martin, la Société mathématique de France m'a demandé d'écrire un article sur Jean Le Ray. Évidemment, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir ce texte. Et la raison pour laquelle je vous ai cité ce premier paragraphe de l'article, c'est que quand j'ai ouvert dès le début, eh bien, j'ai vraiment eu un choc parce que, en lisant cet article, d'abord c'est lumineux d'un bout à l'autre, c'est écrit d'une façon, vous avez vu le français qui est écrit, c'est comme ça tout le temps. Tout le temps, c'est lumineux, mathématiquement c'est lumineux. Et en fait, beaucoup de choses, on se rend compte quand on lit cet article, que beaucoup de choses qui ont été faites, alors en plus il y a des auteurs dans la salle, je ne voudrais surtout pas qu'ils le prennent mal, mais sont une partie de variation autour de ce texte. Finalement, peuvent être comprises comme des variations autour de ça. Hein. D'ailleurs, je pense qu'ils le prendront pas mal, parce que je m'inclus tout à fait dans les variateurs. Hein. Donc, et j'ai vraiment un choc en me disant, mais il avait essentiellement tout compris. Par exemple, ces solutions turbulentes, en fait, elles sont régulières presque tout le temps. Et quand vous voyez sa description du début de l'eau qui coule, en fait, il y a simplement des petits instants de singularité qui apparaissent comme ça, et la solution redevient régulière presque instantanément. Bon, je ne peux pas vous donner mathématiquement l'énoncé, mais il faut penser à ça quand même. Les solutions qu'il construit, elles sont comme ça. Elles sont régulières presque tout le temps. Il y a simplement des petits instants de singularité qui correspondent à peu près à la description qu'il fait de l'eau qui coule. Donc quand on lit ça, j'ai vraiment eu un choc, et ce que j'espère, c'est vous avoir fait partager un petit peu le plaisir que j'avais eu à cette lecture. Je vous remercie beaucoup de votre attention. De la région parisienne, c'est un peu marrant, il y a une cohabitation en quelque sorte d'élèves et puis de professeurs qui sont assis côte à côte pour écouter un autre professeur. J'aimerais bien que les uns et les autres posent des questions. Il y a des lycéens de Villeneuve-Saint-Georges, d'Aubervilliers, de Saint-Germain-en-Laye et de Paris avec leurs professeurs qui sont là et puis poser des questions. On a un petit quart d'heure pour interroger Jean-Yves Chemin. Bonjour. Ma question peut peut-être paraître un peu idiote, mais globalement, à quoi ça sert, ça? C'est une excellente question. Je voulais poser la même question, mais je ne sais pas. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, cette équation est utilisée absolument dans beaucoup, beaucoup de codes de calcul qui modélisent des écoulements divers et variés. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est utilisé, cette équation, donc, et sert de base à des codes de calcul qui sont utilisés
enfin, je veux dire, dès qu'il y a des fluides. Y compris d'ailleurs même à cette très haute vitesse pour l'air, parce qu'on peut considérer quand on a une aile d'avion, au voisinage d'une aile d'avion, c'est pas idiot de considérer ça. D'accord ? Donc ça, la connaissance de ça, c'est extrêmement important. D'autre part, cette idée d'avoir un problème comme ça, les procédés d'approximation qui peuvent être théoriques ici, ont servi en fait de base à des procédés numériques. C'est-à-dire que, par exemple, démontrer un théorème de convergence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous approximez votre problème. Si vous mettez le problème dans un ordinateur, il faut l'approximer, l'ordinateur ne sait pas ce qui est écrit là, du tout. Vous l'approximez, c'est très important de savoir si votre approximation va converger en un certain sens vers une solution du problème, c'est-à-dire si vos calculs en fait, ont un rapport avec la vraie équation. Ça, c'est quelque chose de très important. Et en fait, le théorème d'approximation, je vous ai démontré, répond à cette question. Vous approximez le problème d'une certaine manière, d'accord ? Et c'est important de savoir si cette approximation-là, quand on la raffine, elle a en fait un rapport avec le vrai problème. Est-ce que ça répond un peu à votre question ou... Et puis, alors, ça c'est une première réponse. Je dirais l'autre réponse, je donnerai une réponse moins utilitaire, c'est que c'est simplement c'est de la création, au sens où, après tout, quand quelqu'un écrit un roman ou quand quelqu'un écrit de la musique, est-ce qu'on lui demande à quoi ça sert ? Les mathématiques, oui, il y a des gens qui écoutent, me dit-on, certes, mais les mathématiques aussi, il y a des gens qui écoutent. D'accord ? Il y a des gens qui lisent, hein. Il y a des gens qui... il y a une réponse, première réponse utilitaire, mais je pense qu'on ne peut pas tout à fait se contenter de la réponse utilitaire. Attends, je voudrais juste que vous poursuiviez la réponse que vous avez donnée. Où est-ce que ça peut vraiment servir d'intégrer, d'approcher les équations de la mécanique des fluides ? À part partout. Je sais pas, je crois que quand on fait tous les calculs d'écoulement de fluide sont basés sur ce type d'approximation, oui. Il faut bien approximer les équations et sont basés sur les équations de Navier-Stokes, oui. Qui est-ce qui calcule les écoulements de fluide ? Les avions, oui, oui, partout. Enfin, je ne sais pas, ça me paraît... ce n'est pas ma spécialité, l'analyse numérique, donc je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans la salle, mais... Un exemple concret, les modèles qui servent à la prévision météorologique, par exemple, les modèles d'atmosphère, dérivent des équations de Navier-Stokes, sous des formes qui sont telles qu'il n'y a pas de singularité qui se développe, mais ça part de là, quand même. Oui, je m'excuse, j'aurais dû. C'est juste parce que c'est un petit instant de fatigue, j'aurais dû y penser parce que au modèle météorologique, parce qu'il m'arrive aussi de travailler sur le modèle météorologique, donc j'aurais dû y penser, mais c'est juste un petit instant de relâchement. Merci de la remarque. Moi, je suis désolée, je vais peut-être ficher encore un petit peu de pagaille. Il y a un cas que j'aime bien, qui est assez d'école, c'est le problème des tuyaux d'orgue. Le problème des tuyaux d'orgue, c'est un problème très appliqué au 19e siècle. Il y avait beaucoup d'argent à gagner pour essayer de prévoir le son qu'allaient faire les tuyaux d'orgue. Et il y a un grand monsieur qui pensait avant l'heure toute l'histoire, mais pour moi, c'est le même film, qui s'appelle Monsieur Helmholtz, qui a osé supposer qu'il y avait des singularités. Hein ? Il est parti d'une discontinuité. L'originalité de sa théorie, ça a été de penser qu'au niveau de la bouche de l'orgue, vous avez un saut de vitesse. Et après, il a fait une théorie magnifique qui montre comment les tourbillons se forment à la bouche du tuyau d'orgue. Et c'est pour ça que ça vous fait le son et que ça vibre, etc. Parce que vous avez quand même un flux continu de vitesse, un petit écoulement tout bête à vitesse constante. Et pourquoi après, ça vous fait des oscillations et ça fait vibrer tout ça. Et ça, il y a eu... Bon, quand vous lisez Helmholtz, c'était d'une originalité absolument incroyable, parce qu'il savait très bien que c'était visqueux et tout. Mais il supposait quand il partait d'une solution singulière et il l'appliquait. Et c'est parce qu'il y a une singularité qu'il a pu... montrer son instabilité de Kelvin-Helmholtz et qui est utilisée dans énormément de calculs d'avions, de fusées, de tout ce que... Enfin, quand la fusée rentre dans l'atmosphère, hein, pas dans... Tout ce qui est en contact et corps à très grande vitesse avec de l'air, par exemple. C'est le même film.
bonjour. Moi, je voudrais intervenir sur la réponse « à quoi ça sert ?». Je voudrais juste évoquer les dates. 1934, en 1934, les puissances de calcul, c'était zéro. Donc, en fait, cette théorie qui a été développée sans finalité essentielle à l'intérieur des mathématiques, c'est trouver, en fait, la théorie indispensable des applications. Donc, le timing entre la théorie et l'utilisation peut être extrêmement variable. Et la plupart du temps, c'est des théories mathématiques abstraites qui vont être extrêmement efficientes dans les applications, mais rarement au moment où elles ont été faites. Et ça, je crois que c'est très important sur... voilà, on fait des mathématiques, et les mathématiques, elles servent pour la beauté, et souvent, elles servent là où on ne les attend pas. Bonjour, je vais baisser un petit peu le niveau, en fait. Est-ce que vous savez pourquoi Jean Le Ray attribuait ses équations à seulement Navier et non pas à Navier-Stokes ? À Navier ? Oui, à Navier. Pourquoi il l'appelait Navier ? Alors, je crois que la raison... En fait, les équations de Stokes, c'est les mêmes, sauf qu'on enlève dt, c'est les équations stationnaires. Et les équations de Navier sont, apparemment, sont celles-ci. Alors d'autre part, je ne vous ai pas cité toutes les phrases de Jean Le Ray, mais Jean Le Ray avait une position assez particulière sur l'appropriation en mathématiques. Là, je vais le citer de mémoire, mais il a la phrase suivante. Il dit, en fait, peu m'importe que ce soit... La seule chose qui m'importe, c'est que mon œuvre scientifique reste et pas mon nom. Je simplifie un tout petit peu le sens de sa citation, mais c'est quelque chose comme ça. Et il a dit aussi que, en gros, souvent, les attributions sont... assez historiquement sont pas très justes. C'est quelque chose auquel les mathématiciens, à l'instant où ils travaillent, sont parfois très chatouilleux, parce que la raison en est qu'il y a un très grand investissement psychologique dans la recherche, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ça demande beaucoup d'investissement, et du coup les mathématiciens, ou d'ailleurs je pense que c'est pas spécial aux mathématiciens, sont, suivant leur personnalité, sont plus ou moins sensibles à ce point, mais ils ne sont jamais totalement insensibles à ça. Mais je crois que la raison en est que l'équation d'évolution, c'est effectivement Navier qui l'a écrite. Je crois que c'est ça la raison. Et puis peut-être un petit côté un peu cocardier, qui n'est pas complètement à exclure non plus. Une petite remarque à propos de Navier-Stokes. Il y a quelques années, je reçois un courrier électronique de quelqu'un qui se présente comme un descendant de Navier. Et sa question était, qui est Stokes ? Un mathématicien anglais. Navier a quand même fait son truc 20 ou 25 ans avant Stokes. Donc, mais il y avait une erreur, je crois, dans la manière dont il avait dérivé l'équation. Mais s'il avait trouvé la bonne, c'est pas très grave. Hein. Il a aussi construit un pont qui s'est écroulé, Navier. Donc on ne peut pas lui appliquer la citation de Le Ray où il faut avoir assez confiance dans sa science pour prendre des décisions techniques. Je ne crois pas qu'il y ait de pont en France qui se soit écroulé après les travaux de Jean Le Ray. D'autres questions, commentaires. Oui, je voulais savoir où on en est pour les équations de Navier-Stokes et pourquoi l'Institut Clay promet encore $1 million aujourd'hui. Alors, où on en est, donc c'est pourquoi l'Institut Clay? Parce que je vais répondre. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a les théorèmes à données petites. Je vais revenir là-dessus. Les théorèmes à données petites. Ça, c'est à peu près compris, la petitesse. Où est-ce qu'on en est ? On n'en sait rien. C'est-à-dire que si vous interviewez des mathématiciens, il y en a qui vont vous expliquer, c'est sûr qu'il y a des singularités, avec d'excellents arguments. D'autres qui vont vous expliquer, probablement il n'y en a pas, avec des arguments qui ont l'air tout aussi convaincants. Et on n'en sait rien. On n'en sait rien. Qu'est-ce qu'on fait ?
On réfléchit à ce problème. Et puis, comment on fait quand on réfléchit à ce problème, ce problème m'occupe de temps en temps. Eh bien, on va regarder des problèmes autour. C'est-à-dire que on va pas regarder ce problème dans le blanc des yeux en permanence, parce que sinon, on est guetté par la dépression. Hein? Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, on va voir des équations comme les équations de la météo, dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est vraiment inexcusable. Et où, en fait, qu'est-ce que c'est que les équations de... Un bon modèle des équations de la météo, vous regardez l'équation qui est là, et puis vous ajoutez une force de Coriolis. Vous mettez 1 sur epsilon, une grande force de Coriolis, parce que dans les échelles de la météo, la Terre tourne très vite, hein, le temps qu'une particule de fluide traverse l'Atlantique, la Terre a tourné 100 fois à peu près. Ça prend entre 50 et 100 jours. Donc, de ce point de vue-là, la Terre tourne vite. Vous mettez une grande force de Coriolis, vous considérez que le paramètre qui est devant tend vers l'infini, et vous regardez ce que ça fait à la limite, par exemple. Et bien, quand on fait ça, en faisant ça, on apprend plein de choses sur l'équation de Navier-Stokes. Bon. Voilà comment les progrès qu'ont pu être faits, par exemple, ces dernières années. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, de temps en temps, on fait carrément autre chose pour se changer les idées. Donc ça, c'est la réponse, ce que fait un mathématicien qui s'intéresse à ce problème. Et puis, pourquoi l'Institut Clay a donné $1 million sur ce problème ? Enfin, va donner, oui, enfin, veut, a proposé. Bah, parce que M. Clay est un riche mécène américain et qu'il a décidé que ça stimulerait les mathématiciens de leur faire miroiter beaucoup d'argent. Je précise que je travaillais personnellement bien avant sur ce problème, bien avant le $1 million. Et je crois que si je voulais devenir riche, c'est pas la meilleure façon de s'y prendre. Mais disons qu'il a demandé à une assemblée d'éminents mathématiciens d'identifier un certain nombre de grands problèmes. Et ce problème est sorti. Celui-là, non, pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est le problème. Le problème de Hilbert, c'est le problème de passage de Boltzmann à Navier-Stokes. C'est pas la même chose. Non, Navier-Stokes pur et dur comme ça, c'est pas. Non, je crois pas. Hein. Je sais pas. Peut-être Laure, tu. Le problème de Hilbert, tu le connais, non? Je crois pas. Hein. Mais bon, il y a une discussion, c'est assez facile de trouver des mathématiciens qui expliquent que ce problème n'est pas assez intéressant pour mériter $1 million. Hein. Ça se trouve. Mais je crois que le texte sur Navier-Stokes a été rédigé par un mathématicien qui est professeur à Princeton, qui s'appelle Charles Pfefferman. C'est lui qui a rédigé le... Il y a une rédaction assez précise du problème, il faut quand même faire attention à ce que ce soit bien rédigé pour que il n'y ait pas une solution idiote au problème, donc le problème est assez... Il faut que ce soit précisément rédigé. Donc il y a plusieurs intitulés, expliquer ce que ça veut dire que des solutions, très précisément, dans quel cadre on peut... C'est une rédaction assez précise. Mais au départ, c'est du mécénat. Et en fait, je ne sais pas exactement par quel processus on a abouti à ces problèmes, mais il y a un comité scientifique de cette fondation Clay qui a dû, je suppose, isoler ces problèmes. Il y a d'autres questions ? Oui, c'est parce qu'en fait, on a dit que l'équation de Laurel était valable que pour un fluide visqueux et incompressible, mais l'air, ouais. C'est compressible. Ah Non, l'air, c'est une autre. C'est compressible, oui. Il y a des équations que j'ai évoquées. Mais alors là, les équations en fluide compressible, j'aurais du mal à les faire tenir sur le transparent, là. Donc c'est vraiment... Oui, hein, elles existent. Elles sont compliquées. Et... ça, c'est pas... C'est pour l'eau. Hein. L'eau peut être considérée raisonnablement comme incompressible. L'eau n'est... Vous avez dit qu'on utilisait cette équation... Pour les fluides incompressibles. Non, ce que j'ai dit, c'est que les méthodes... C'est-à-dire cette méthode d'approximation et de passage à la limite pouvait s'appliquer le schéma... Le schéma de la pensée s'appliquait à des équations compressibles. Mais pas du tout, l'équation elle-même ne décrit pas du tout les fluides
compressibles. Dans les fluides compressibles, il faut, dans les fluides compressibles, dans la compression, il y a l'idée de densité. Il faut définir ce que c'est que la densité de matière. La densité, c'est un gaz, hein, c'est l'air de la pièce, c'est typiquement le modèle du fluide compressible. Et là, il faut définir ce que c'est que la densité. Et donc, il y a une variable supplémentaire, il y a des équations supplémentaires, et c'est beaucoup plus. C'est des équations extrêmement compliquées et qui sont très très lourdes à manipuler. Là, je dirais un des avantages de cette équation, c'est que les formules restent dans des domaines, enfin dans des degrés de complexité assez raisonnables. Hein. Les fluides compressibles, c'est beaucoup, techniquement beaucoup beaucoup plus difficile. Ce ne sont pas du tout les mêmes équations. Merci. C'est sur le terme solution. Voilà. Enfin, c'est pas très clair ce qui est une solution et ce qui serait une solution. C'est-à-dire, dans moi, ce que j'en comprends, c'est que ce qui est recherché, c'est une bonne description. Voilà. Et qu'il pourrait y avoir plusieurs descriptions. Et encore que une solution et donc une bonne description permettrait de faire des simulations. Alors, il faut bien comprendre ce qu'est la définition de solution qui est donnée. C'est ce qu'on a appelé plus tard des solutions généralisées, ou disons solutions au sens des distributions, une fois que la théorie de distribution a été codifiée. Qu'est-ce que dit en fait l'idée de ça ? C'est de dire qu'en fait, on ne s'intéresse plus aux valeurs ponctuelles des fonctions, mais simplement, on dit qu'on connaît une fonction quand on connaît toutes ses moyennes pondérées. C'est ça l'idée. Et qu'en fait, l'égalité est en fait une égalité au sens des produits scalaires contre n'importe quel champ de vecteur de divergence nulle. C'est ça, en fait, la notion de solution. C'est qu'on dit qu'on sait une solution quand je fais le produit scalaire avec n'importe quelle solution, n'importe quel champ de vecteur de divergence nulle, ça fait zéro. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, quand c'est régulier, on laisse les dérivés d'un côté. En fait, quand c'est régulier, par intégration par partie, on met les dérivés de l'autre côté, et on bâtit cette solution, une fonction qui vérifie ça. D'accord ? Je crois que c'est ça, la notion de solution, c'est vraiment ça. C'est un changement de point de vue, c'est au lieu de dire, on ne s'intéresse pas aux valeurs des fonctions, mais aux moyenne pondérée. Bon, ces solutions, il y avait ce problème dans un cas peut-être plus simple, c'est quand on prenait le cas de résoudre le problème de Dirichlet, qui consistait à minimiser une énergie de Dirichlet dans un domaine, qui consiste par exemple à trouver la forme d'une surface sur laquelle on appuie. Mais en fait, mathématiquement, quand on cherchait, c'était le minimum d'une énergie, et quand on cherchait le minimum, ça ne converge pas dans les espaces où les objets ont un sens classique. Et donc, la bonne façon de faire ça, mathématiquement, c'est de définir une notion de solution généralisée. Le problème est de même nature. Hein. Mais ici, ce qu'on peut considérer, c'est que ces solutions sont, d'une certaine manière, ce que dit ce théorème, dit que quand on approxime le problème et qu'on passe à la limite, on tombe sur quelque chose qui est, en un sens affaibli, solution. Et que si, alors j'ai pas dit ça, mais il y a un théorème dans l'article de Leray qui dit que si jamais la solution est régulière, il n'y a pas d'autre solution turbulente que cette solution régulière. D'accord ? Donc c'est bien, les solutions qui ont été définies généralisent bien les solutions au sens classique. C'est-à-dire que s'il y a une solution classique, il ne peut pas y avoir une autre solution turbulente qui vient de on ne sait pas où. Ça ne peut pas se produire. Tant que la solution est régulière, il y a unicité non seulement à l'intérieur de la classe des solutions régulières, mais à l'intérieur de la classe des solutions turbulentes. Est-ce que ça répond à votre question ? Sauf que c'est très éloigné du point de vue des physiciens et des ingénieurs. C'est-à-dire que c'est pas dans une description, c'est pas dans, enfin, l'idée de description n'apparaît pas, et l'idée non plus de simulation non plus. Bah, l'approximation, ça peut tout à fait être une approximation numérique. L'approximation qu'on met dans un ordinateur. Est-ce qu'une façon d'interpréter, moderne d'interpréter ce théorème, de dire que si on fait une approximation par discrétisation, par exemple, en fait, quand on fait tendre les pas de temps et les pas d'espace vers l'infini, on converge vers quelque chose qui est une solution turbulente.
C'est ça que dit le théorème. Donc de dire que finalement, les approximations, quand elles sont raffinées, elles ont quand même un rapport assez fort avec le problème d'origine. Je crois que le moment est venu de conclure. Alors je vais faire une remarque peut-être un peu politique. Navier, c'est 1820 et quelques. Le Ray, 1934. Les progrès dont a parlé Jean-Yves Chemin à la fin, c'est 1964, 83, 2001, etc. On est sur des temps de l'ordre de dizaines, voire de centaines d'années. D'aucuns voudraient organiser la recherche sur la base de projets en 3 ans. Ça n'est pas comme ça que marche la recherche, et je pense que l'exposé nous en a fait la preuve. La deuxième remarque, c'est que l'objectif qui consiste à pouvoir calculer effectivement des profils d'ailes d'avion ou des coupes des profils de bateaux qui vont gagner la Coupe de l'América ou des choses comme ça, qui utilisent ce genre de techniques numériques, se fondent sur des mathématiques extrêmement abstraites et théoriques qui ont été, comme l'a souligné tout à l'heure Nicole El-Khaoui, faites absolument indépendamment de toute espèce d'objectif numérique, pour la bonne raison qu'on n'avait pas les outils pour le faire. Et c'est aussi comme ça que marche la recherche, c'est ce lien étonnant et constamment renouvelé entre recherche théorique et application. Maintenant, je vous signale ou rappelle que la prochaine conférence du cycle est dans 4 semaines. C'est Xavier Viennot qui va parler à partir d'un texte de Euler, le même Euler dont il a été question dans la conférence, mais sur un sujet tout à fait différent puisqu'il s'agira de combinatoire, et qu'il y aura une 4e conférence le 23 mai sur des choses liées aux mathématiques financières. Et je laisse maintenant la parole pour un dernier mot à Jean-Yves Chemin. Oui. Donc je voudrais conclure cette conférence en remerciant particulièrement 3 personnes. Qui sont Clotilde Fermagnan, Isabelle Gallagher et Laure Saint-Raymond, qui ont été faire des préconférences dans les lycées. Et j'ai bénéficié de leurs discussions. Et ce sont donc, elles enseignent à Cergy, à Paris 7 et à Paris 6. Ce sont des collègues que j'apprécie beaucoup. Et j'étais très, très heureux qu'elles acceptent d'aller faire des préconférences dans les classes. Donc je les remercie très chaleureusement.